Bonjour à tous, 13ème partie du let's play de Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back sur PlayStation. Donc on va reprendre le jeu avec le 15ème niveau. Donc pareil, encore un niveau en caméra de face, vous allez voir, on va avoir droit à quelques petites surprises. Attention, si vous avez déjà... Je vais y arriver. Si vous n'avez jamais joué, vous risquez d'être surpris. Allez, on y va. Eh oui, adieu le rocher. Place à l'ours géant. Sinon, en dehors de ça, le principe... Attention à ça. Le principe ne change pas en soi. Vous allez voir quand il va arriver, quand il va se crasher, c'est bien aussi. Allez, on continue tranquille. On y va. Oula, 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 j'espère. J'ai eu de la chance. C'est pas possible, j'essaye d'éviter les mines, mais j'y arrive plus. Ah, ça par contre, c'est génial d'avoir pu passer au-dessus là. Ah non, mais sérieusement. Je fais attention pourtant. Première chose intéressante, on y va. Attention, kamikaze. Eh ben non, petit passage secret. Continue tranquille. Attention à ces chasseurs. Entre ici, faut. Comme ça. Oh mais c'est pas possible. J'ai pas le droit d'avoir des masques ou quoi? On y va, tranquille. Je me disais, je me baisse pas assez bas. C'est pas grave. C'est ma faute. Je vais faire un petit peu plus attention. Nous allons gagner un peu de temps. Oh, j'ai failli tomber. Et voilà. Comme quoi, en jouant bien, on y arrive. Faire super gaffe en fait. Mais il faut sauter au-dessus d'abord. Je me rappelle plus qu'il était si loin que ça. Et il est juste là. Checkpoint. Allez, on y va. Donc ici, attention, un petit. Un petit truc caché aussi, voilà, deux caisses là-haut. Et ces deux caisses là, à chaque fois qu'on meurt, ça reste des vies, ça se transforme pas en caisse avec juste des pops. Voilà, le problème c'est que je parle en même temps, et voilà ce que je fais des conneries. Attention à la nitro. Oh lui. Oula. Rêve. Oh non, mais sérieux. Bah, je vais pouvoir vous montrer le coup des caisses vie. Hein. D'accord, vous êtes d'accord, j'avais ramassé les vies, je suis mort. Eh ben, admirez. Et on peut répéter ça autant de fois qu'on veut. Bon, c'est pas le but de la vidéo, c'est pas le but de cette vidéo. Je viens de fou. Non, mais quel con, sérieux. Je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais. On y va, tranquille. Ouh là 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 là.
Vous avez vu ça quand même, les collisions c'est pas ça, hein. J'ai la tête dans la nitro mais je pète pas. Hein. Oh. Si je pas mourir, c'est pas gagné. Je m'en doutais. Faut obligatoirement que j'arrive à garder un masque pour arriver jusque là. Heureusement que j'ai ce truc quand même pour gagner des vies, hein, c'est génial. D'accord. Oh, vous avez vu que le masque... Oh, mais c'est pas vrai. Allez, ça va... Ça y est, ça va recommencer. Dans la partie précédente, pour le niveau 14, j'avais joué super bien, j'avais pas perdu une seule vie sauf celle que j'avais fait exprès. Et maintenant, bah, j'ai joué comme un boulet. Oui, d'accord. On va y arriver. Là c'est chaud. Et voilà, on a fini. Oh, je casse tout. Attends, reste quand même de pas mourir. J'aurais su le checkpoint, je le regardais. Sauter assez loin, je devais glisser et j'ai oublié. Là, comme ça, bon, les pommes, c'est pas grave. J'ai tout fait valser presque. Ah, mais je vais avoir ça avant. Oh. Voilà, on continue. Mais ça c'est le jeu. C'est pas l'émulateur, c'est le jeu qui a frisé. Et j'ai cru que j'allais tomber dans le trou. Faut faire attention parce qu'il y a des trous vraiment placés. Oula. Ah ouais, pas mal. Je m'en doutais que j'allais me faire avoir. Ouais, ça y est. Attention, dernière phase, vous allez voir, c'est spécial. Allez, au niveau. Avec l'ourson. Je crois que je viens de faire une bêtise là. Putain, il m'en a pété que deux.
tant pis si je meurs pas, je continue, mais je suis sûr qu'il va me manquer une pièce. Sauf si je fais le gros boulet. Que je fasse pas d'erreur dans mon compte, je suis sûr qu'il y en a oublié d'en péter une. J'ai essayé de garder ma petite triangle appuyée pour que je puisse le voir afficher. Ah non, c'est bon, il pète les trois. J'ai rien dit. Vous avez vu les arcs électriques, si on les touche sur le côté. Et voilà. Un petit diamant. Et maintenant, oui, je reviens en arrière, je sais. Il y a encore une petite sortie secrète, alors si j'arrive à la voir, parce que c'est... Ouh, oh, je l'ai eu. Là, faut rejoindre l'ourson qui est là-bas. Et voilà le travail. On accède au premier niveau bonus du jeu. Voilà, donc on va s'arrêter ici parce que j'ai pas assez de temps pour faire ce niveau. Je sais que c'est assez difficile. C'est un niveau qui se passe encore à dos d'ourson, sauf que la particularité c'est qu'il fait tout noir. Et c'est super chaud de se repérer. Alors avec le temps qui me reste, c'est même pas la peine d'essayer maintenant. On le fera dans la partie suivante, donc qui sera la 14e partie. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.